C'est vrai? Non. Mais non, non mais elle est immortelle. Si tu lui coupes pas la tête, c'est Highlander le bail. Non, mais c'est sûr. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. On n'est pas trop en retard et en tout cas, ça va être une très très belle soirée puisqu'il est prévu de regarder tous ensemble en Watch Party le dernier épisode de la saison 2 de The Boys, la série qui a fait une entrée fracassante. La plus grande équipe de super-héros de tous les temps, les 7. Daniel Terre est avec nous. Ça va? Salut, ouais, très bien, très bien. À ta droite, il est connu aussi de YouTube, Jérémy. Waouh! Salut à tous. Ça va ou quoi? Captain Popcorn, merci d'être avec nous. Ah bah c'est un immense plaisir. Je constate que je suis le seul avec un nom qui ne finit pas en I ici. Ça m'inquiète beaucoup. Et puis à sa droite, vous le connaissez tous, hein, finalement, Dwagby, comment ça va? Bah, trop cool, trop content d'être là, trop cool et un vrai plaisir de rencontrer cette équipe. J'allais vous demander de manière générale, est-ce que c'est votre truc les séries ou les films de super-héros, Amy, pour ta part? J'aime bien quand ils sont traités comme ça. Ah, oh putain! Et c'est pour ça qu'elle est forte, c'est parce que finalement, t'es arrivé avec un truc, on a traité un sujet que tout le monde traite, mais d'une manière différente. Et ça a créé, tu vois, l'essor complet. Et puis même, t'as plein de parallèles, je trouve ça génial, on dirait une boîte d'influenceurs. Exactement ça. Ça, ça tue, quoi. Salut, je m'appelle Stormfront. Qui? C'est moi, la nouvelle. Merveilleux. L'image, gestion de l'image, oui. Le fait que devant les caméras, ils montrent un peu qu'ils s'entendent tous et que derrière, il y a des problèmes. C'est l'enfer sur Terre, cette boîte. On a vraiment l'impression de se retrouver devant la gestion de star hollywoodienne, comme on l'a dit. Pour qui tu te prends? J'essaie simplement d'aider. Vraiment? Et ça peut parler, effectivement, ça peut parler à des gens qui sont pas du tout fans de super-héros. Moi, je continue à être très fan, de toute façon, j'en parle tout le temps, donc c'est pas un secret. Mais là, ça peut plaire vraiment à tout le monde. Ouais. Mais il faut quand même dire que c'est quand même très violent, ouais, très cru. Insensible. Attention aux plus jeunes et aux âmes sensibles. Ok. S'ils n'avaient pas fait ce pari-là, justement, de montrer autant de violence, je trouve que ça aurait perdu de la crédibilité de fou, quoi. Chaque fois où le mec, il perd sa copine parce qu'il y a un super-héros qui la traverse. T'es pas le seul dans ce cas. Les super font des centaines de victimes tous les ans en purs dommages collatéraux. En fait, je me suis carrément dit, ah, on a le droit de faire ça. Ça faisait longtemps, je fais, ah oui, on peut faire ça. Si vous faisiez partie de l'univers de The Boys, quel serait votre pouvoir? Les 7, ils sont déjà pris. Ah. On peut pas prendre les pouvoirs des autres, on peut pas les prendre. Vous êtes des personnages secondaires. Pouvoirs mentaux. Ouais, moi aussi, je suis assez fan de lire dans l'esprit et tout. J'allais vous dire, est-ce qu'on a vu des pouvoirs mentaux? Ben, je pense qu'on les a vus, mais qu'on n'a pas encore vu celui qui les utilise, puisqu'il fait exploser des cerveaux. Ah oui, c'est vrai. C'est lié à la télépathie, ça? Ah oui. Ouais. Bah alors il est cool, je veux ça. Alors c'est un peu violent. J'ai plein de choses à régler. Un petit coup de sang, paf, comme ça, là, tout le monde qui explose. On n'a pas encore, je suis sûr qu'on va voir un personnage comme ça, parce qu'on n'en a pas encore vu en fait. Tu penses que c'est un personnage qu'on a déjà vu? Oui, oui. Ah d'accord, c'est pas quelqu'un qui sort. Genre ils l'ont placé subtilement et on l'a pas capté. Petite pizza, le soda, le popcorn, on est comme à la maison. J'avoue. Parce que dans quelques instants, on va se mater enfin l'épisode final de la saison 2 de The Boys. On va se retrouver après pendant une heure où on pourra débriefer avec vous et enfin aborder les grandes théories. Captain, je suis sûre que tu en as plein pour nous régaler. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Oh mon dieu. C'est vraiment le meilleur. Comment il est rentré? C'est le meilleur pouvoir, ça. Oh la vache. Allez, oh. J'avais pas vu. Oh. Pas le droit de faire ça, je crois. Oh. Tiens. Comme quoi, on met sa ceinture. Message du film. C'est vrai? Non. Mais non, mais elle est immortelle. Si tu lui coupes pas la tête, c'est Highlander le bail. Non, mais c'est sûr. Il y a de bonnes chances qu'elle se régénère, mais... Il y a un sale bruit, quand même. Bon, ça va prendre du temps. Je me suis cassé la voix. J'ai trop Ok. Elle va bien. That's my girl. Oh oui. Elles se battent pas comme des meufs en cheveux, quoi. Les mecs, ils la regardent comme ça. Alors, ça... Ok. Ça sort de nulle part. Lourd en tout cas, ouais. Ouais. Hein. Très très lourd. Je suis partagée. Je suis dingue que ce soit fini. Mais en même temps, ça répond quand même à plusieurs questions, dont la femme tronc, c'est un point que je suis très contente. Ouais, non, mais c'est clair.
C'est ce qu'on attendait, je pense, ils nous ont offert ça. Mais ah t'as une ouverture de 1000 possibilités, en fait. Et le cliffhanger est réussi, oui. Ouais, bien joué. Quasiment tous, hein, l'épisode d'avant, bah, pareil, il m'a fait le truc de... Je veux la suite tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que est devenu Black Noir? Qu'est-ce que Ryan va devenir? Tout ça, on sait pas trop. Et est-ce que le chantage à la vidéo de Maïf sur Protector va marcher? Ça encore, ça montre à quel point il est faible par rapport à ce truc, quoi. Genre, c'est sa kryptonite, ouais. C'est le côté, ouais, c'est vraiment, il faut genre, ouais. Mais là, il a pas touché à son image. Il est en train de vriller, ça, c'est sûr. Oh, bah là, il pète un pont. On l'a vu, hein, clair de lune. Cette scène est vraiment... Est-ce que vous avez des grosses attentes sur cette saison 3? Qu'est-ce qui pourrait être bien le nerf de la guerre, le fil rouge de cette saison 3, selon vous? J'aimerais bien le voir vriller, vraiment. Ouais. Parce que c'est un kiff, un peu, parce que son personnage, je le déteste, mais... Je le trouve fascinant et genre dès qu'il a l'image, on ça catch. Tu fais un tour de magie et tu le tues. Parce que là, je pense qu'il a encaissé trop de choc, il était choqué. Ouais. Et quand il va se réveiller, revenir à lui, là, je pense que ça va faire très très mal. J'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. Ah, attendez, on fait des grands... Rappelez, je concours. Mais oui, dans le chat, vous avez un slip incroyable. Alors, franchement, il est beau. Je vais vous le sortir, je vais vous montrer. Par qui il a été porté avant? The Deep. Voilà. On parle pas de The Deep, mais peut-être qui, non? Encore lui, encore. Les gens ont kiffé, ouais, ils ont ouais. Même l'ambiance. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, ils ont très cool. Moi, je connais pas trop plus, du coup, j'ai toujours un peu peur. Mais ça va, c'était cool. Bah, alors, toi, ils t'ont pas trop apprécié, mais. J'en dis vraiment trop cool, c'est The Deep. Il y a Oclissane qui dit, par contre, ouais, ça serait pas mal de faire un rituel de cette soirée avec la S3. Mais je pense que de toute façon, ça reviendra. Hein. Prime Video qui c'est sort. C'est cool comme idée. Voilà, sa nouvelle chaîne Twitch. À mon avis, il y aura d'autres rendez-vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci encore Prime Video FR pour cette superbe soirée où on a pu découvrir l'épisode final. Hein, tant de questions pour la saison 3, pendant laquelle on vous retrouvera peut-être d'ici là. Prenez soin de vous. Gros bisous, les amis. Merci d'avoir été merci avec Marie. Vous. Merci Marie. Et puis, passez une très très bonne soirée. Salut. 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 Thank you.